Ma... On n'a pas encore fini le travail d'équipe. Oui, s'il te plaît. Donne-moi une assiette. C'est la star de son équipe. La présidente de classe, élue 3 fois de suite. Les profs ont juste des bons commentaires à son sujet. T'es sûr qu'il n'y a pas une petite jalousie de ta part? En tout cas, elle est peut-être en maudit. Les accusations d'intimidation, c'est grave, tu sais. Mon père, t'as-tu trouvé un nouveau casier? Parce que j'en ai un parfait pour toi, sinon. Tu vois, Vielda, ça, c'est Nadine, toujours prête à aider les autres. Essaye de t'intégrer au lieu de t'exclure. Je n'offre pas mes services aux mineurs d'habitude. J'ai vraiment besoin d'aide. Qu'est-ce que je peux avoir avec ça? Peux-tu m'offrir un démon pour me protéger, mettons? Pour te protéger de quoi à ton âge? Avoir des ennemis, ça n'a pas d'âge. Puis, est-ce que mon cash, c'est suffisant? Ah, c'est pour un prêt de 2 jours. Celle-là ferait l'affaire. Ça, c'est une amulette qui contrôle la poupée. Sans ça, le démon, il fait ce qu'il veut. Il y a vraiment un démon là-dedans. Allez. J'ai un vrai rendez-vous avec un vrai client dans 5 minutes. Et c'est non remboursable. Mais comment ça marche? C'est simple. Tu fais un vœu à l'oreille de la poupée. Je veux qu'elle poche. Tu peux lui demander n'importe quoi, sauf la mort de quelqu'un. Je ne suis pas un tueur à gage, moi. Je veux qu'elle saigne. Ça va, Nadine? Ouais. Assure-toi qu'elle porte toujours son amulette. Je veux qu'elle se pisse dessus. Pour me la ramener en bon état, c'est clair?